Bon lundi à tous sur mon stream. Je suis légèrement en retard de quelques secondes, veuillez m'excuser. Hein. On va faire une petite matinée tranquille, comme d'habitude. Le lundi, il n'y a pas grand chose à faire parce qu'on n'est pas très PVP de toute manière. Donc, on va faire des donjons comme d'habitude, tout en discutant et en parlant avec vous. Voilà. Et toi, tu te tais. J'ai fait l'acquisition d'un nouveau dragon. Vous allez le voir très rapidement. Et donc, comme d'habitude, je prends le petit lien. Yo, Ender. Comment va? Comme d'habitude, je fais un petit lien ici. Hop. On va peut-être marquer français plutôt que FR, parce qu'il y a des gens qui comprennent peut-être pas. Et on va marquer venez au nombre. Voilà. Comment ça va, Ender? Allez, je vais aller continuer à faire quelques petits donjons. Voilà. Donc c'est la journée de Rosette, donc faut faire attention à tous les contests. Donc en Gunslinger, je suis bon. En fait, tu m'as compris. C'est bon. En Boom Ranger, bon, je ne pense pas que je vais perdre 10 places d'un coup. Voilà, à la limite, si je me perds encore une ou deux, c'est pas très très grave. J'ai le principal. J'ai principalement 10 d'avance, quoi. Donc logiquement ça devrait le faire. Ça se joue pas à grand chose hein. Donc voilà. Donc comme je disais, j'ai fait l'acquisition d'un nouveau dragon. Vous allez le voir très rapidement. Pas du tout. Puisque j'appuie sur un bouton, ça ferme le jeu. Ah là, ça a été radical. Normalement, est-ce que si j'appuie encore sur cette croix, ça ferme le jeu? Non. C'est vraiment que ça a craché. Bon allez, on va sortir la bête. Et voici le dragon que j'ai acquéri il y a même pas une heure. Voilà. Moi j'en suis fier, hein, ça serait... Ce serait dommage de pas dire que j'en suis fier, sinon ça sert à rien d'acheter. Ce qui est dommage, c'est qu'il donne pas de stats, malheureusement. Donc voilà. T'es là, Ender? Parce que je te pose des questions, tu me réponds pas. Est-ce que ça va? Bon, la chambre est là. Il est où le deuxième boss? Il est là. Bon, la one shot. Qui est pas mal du tout. Quand tu te bosses et je récupère mon café comme d'habitude. It's Pride. Me. Sois la bienvenue sur le stream. Pas compris. Allez hop, on continue.
Donc n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à discuter, je répondrai volontiers à toutes vos questions. Comme d'habitude, de toute façon. Comme d'habitude. Enfin, j'essaierai de répondre à tout le monde. Après, s'il y a du monde et qu'il y a beaucoup de questions, je ferai de mon mieux. Mais pour le moment, on peut pas dire qu'on croule sous des viewers, donc c'est mieux pour répondre à chacun. Ah, j'ai bien vu, il y avait un mec qui commençait à venir vers moi et puis il est parti. J'ai pas envie d'avoir des personnes ici présentes à mes côtés. Ah bah oui, j'ai plus les phrases du coup. Va falloir que j'en mette une. Ah, c'est chiant. Ils ont pas compris les règles, sûrement trop compliquées pour leur petit cerveau. Ouais. Ah, c'est vrai qu'au niveau du PVP, il y a pas mal d'AFK PVP où ils font pas grand chose. Les mecs ils doivent capturer drapeau mais ils font que de la battle. Enfin. Soyez la bienvenue sur le stream, n'hésitez pas à poser des questions, à parler, à follow, c'est gratuit et à rien à perdre moi. Puis même si ça vous plaît plus, vous pouvez toujours défollow. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Désabonner, mais c'est peut-être mieux que défollow. Déjà que c'est un mot anglais à la base. C'est bien les Français, ça, ils mettent tout à la sauce française, tu vois. C'est... Et moi le premier, hein, mais bon. Ah bah dis donc, on peut pas dire qu'on loot beaucoup hein, ce matin. On peut pas tout avoir. Contrairement à certaines personnes qui ont déjà eu un radiant ce matin. Oui, ça va un peu vite, je vous l'accorde. J'irai encore plus vite après 13h, je pense. Parce que je risque de monter dans un 17 000 de PR. On va se recharger vite fait. Voilà, on n'a pas besoin de se poser pour se recharger. On fait ça tout en volant, c'est cool. Un peu de minage. Une somber soul en plus. Hop. Je m'ai perdu.
Là là là. Dure matinée, hein. On reprend le rythme là. On a eu un bon dimanche, je pense. Tout le monde a eu un bon dimanche. Puis de reprendre lundi, c'est pas facile. Plus la journée la plus importante pour le jeu, puisque c'est vraiment le fils de pute de ta race d'enculé, de tes morts, de bâtard, de ta grand-mère. Ok. Ça sent pas la rage, vous voyez. Eh oui. C'est sûr que si vous parlez pas, je risque pas de parler non plus, hein, parce que je sais pas de quoi parler à part le dragon que je viens d'acquérir pour le moment. En plus, je suis en train à moitié de comater encore. Je ne sais pas pourquoi je me suis réveillé 3 heures avant mon réveil et pas moyen de me rendormir alors. Je ne sais pas. Allez savoir pourquoi. Je n'arrive plus à dormir. Enfin, longtemps du moins. Bon, c'est pas plus mal après, je me réveille tôt du coup, mais. Mais dans ce cas-là, je pourrais commencer les lives à 6 heures du mat, mais je crois qu'il y aura encore moins. Encore moins de monde. Je sais pas s'il y a des gens à 6h du matin. Ah, y a pas mal de donjons là. On va tous les enchaîner, c'est cool. Dans un quart d'heure, on va faire le challenge. Ce qui est très important de faire, puisque logiquement, il y a bientôt les nouveaux dragons, mais on ne sait pas quand. Et là, peut-être qu'avec les Emporia Gembox que je vais dans cette semaine, peut-être que j'aurai un œuf de diamant. Donc voilà. Donc, il faut toujours et encore faire les challenges. C'est le bordel. J'aimerais aller dans la cheminée si tu veux bien, merci. Voilà. C'est quoi ce Porthos qui a mis un mur dans la cheminée, s'il te plaît? Faut arrêter un peu là. On va refaire une pub vite fait. Alors, stream français. Hop hop. Venez nombreux, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Hein? On tue des grands-mères, on écrase des vieux. C'est pas vrai en plus. Donc voilà. De toute façon, là je vais regarder qui y a sur le stream. Alors attention, je vais vous dire coucou alors. Finis ce donjon, voilà. Alors, qui assure le stream? Bah, t'es là, Nem HD. Oh là là. Je mets Erling, trop viand. Salut. Coucou. Eh, je vous ai vu, hein. Je vous ai vu. Coucou. C'est pas que j'ai beaucoup de monde sur le stream, on va parler justement des viewers, c'est juste que je veux un minimum une petite communauté pour que mes streams soient moins ennuyeux, je pense. Après que j'en ai 150 ou 200, pour moi ça revient absolument au même. Bah de rien, trop bien. Mais
Mais de toute façon, je l'ai, ma communauté, puisqu'il y a toujours les mêmes qui viennent tous les matins. Elle est là, la communauté, je l'ai créée. En même temps, ça va faire quoi maintenant? Ça va faire quasi un mois et demi, 2 mois que je commence à stream. Il faudrait vraiment que j'arrive à... J'allais dire, essayer d'avoir les proclaims, mais à la limite, avec les proclaims, ce sera seulement si je fais des giveaways et on va avoir plein d'étrangers. À la limite, moi, je veux vraiment faire participer que les Français, tu vois, donc c'est ça qui est dommage. C'est que j'ai déjà fait une demande, mais sans suite. Voilà, parce que certainement, il faut être anglais, hein, pour... Salut Ender, comment va? T'étais déjà venu tout à l'heure, t'es reparti, qu'est-ce qui se passe? T'as des petits soucis? Toujours la même question qu'on se pose, hein. Comment faire pour attirer le plus de monde possible? Mais après, c'est vrai que tout le monde ne regarde pas le stream. Bon, déjà, je stream le matin à des heures assez matinaux, jusqu'à pendant 2 heures. Merci Trovian pour le follow. Mais comment dire, voilà, moi je peux pas vraiment streamer à d'autres moments. Après, voilà, je pourrais streamer la journée, mais il y aurait plein de bruit extérieur. Ah, c'est ça de pas vivre seul déjà. Ça, ses avantages et ses inconvénients. C'est mieux, au moins on peut discuter tranquillement ensemble sans. Salut Monsieur Champi. Et c'est quoi la petite icône que vous avez devant vos pseudos là? Il y avait déjà un mec tout à l'heure qui est venu qui la tête icône c'est quoi? On dirait un logo de secte en plus. Qu'est-ce que c'est? Ouais, j'aurais peut-être dû me recharger. Sur Twitch pour le... Ah, ok. Une secte. Vous faites partie d'une secte secrète sur Twitch. Oh là là. Oh. Shadow 3 et un Shadow 2. Mon Shadow 3 il est intéressant puisque qu'on chope suffisamment de Shadow 3 maintenant en U9 pour en transformer 1 sur 3 en quad et après vendre le quad. C'est rentable. Même si les quads ont beaucoup diminué, c'est rentable. Bon, ce matin j'ai quand même claqué 1 100 000. Mais bon, c'était pour une bonne cause. J'ai hésité à acheter des trophées au fondeur. Et puis j'ai craqué pour la valeur sûre. Bah vous voyez, Shadow 3 encore. J'ai craqué pour le dragon. Alberne. C'était soit le Fortress, soit Alberne de toute façon. Mais au moins je suis sûr d'avoir eu quelque chose que je désirais. Parce que j'aurais très bien pu avoir des choses que j'aurais pas voulu. J'ai la moitié des oiseaux du paradis. Bon, j'aurais pu les revendre, certes, mais voilà, ça aurait été perdre de l'argent. Limite, c'est ce que tu fais quand t'as vraiment, vraiment plus rien à faire de ton argent. Moi, je pense. Et trop profondeur. C'est pas que j'aime pas cette musique, mais elle est chelou. J'ai dit que j'allais recharger les popos, mais j'ai toujours pas fait. Je vais m'en trouver à un moment donné sans popo. On va se marrer. Hein. Comment va sinon, monsieur Champi? Je parle, mais. Ah ouais, carrément! Waouh! Ah, t'as de la nouille, toi. T'as de la nouille.
Moi je l'aurais bien fait, hein, mais c'est combien le karma de les trois profondeurs? C'est 50, 75, c'est combien? Bon, on va se recharger là-bas avant qu'il soit trop tard. C'est 60 box. C'est minimum 600 000 quoi, tu claques quoi. Tout en sachant qu'entre deux tu peux avoir des trucs, mais je pense que c'est beaucoup plus rare d'avoir des trucs en plein milieu. Dire qu'il vaut 8 millions quoi, mais c'est n'importe quoi. Du courrier. Pourquoi il faut que tu ailles chercher du courrier? Le mec m'a mis un squelette à travers le mur. Hein. Non mais dire. Bah peut-être, je sais rien. Je sais pas. Voilà. Je ne sais pas si le PVP ça c'était avec le perso. Je serais pas étonné d'ailleurs, mais bon. Moi le PVP, non merci, c'est bon. Bon, à tous les coups j'ai encore perdu une place ici. Voilà, j'en étais sûr. On était tellement bien serré que. Allez, venez, on va se faire le. Hop, on commence à 2-3, mais c'est nickel. On va encore faire des quads du coup. Ouais, c'est 1 pour 3, donc du coup c'est cool. À part si je les achète directement les trikes, mais du coup je me fais qu'un bénéfice de 1500, 2000, tout dépend du prix au moment voulu. Donc le mieux c'est d'en garder 2 pour 1. Car le postier est passé et c'est un courrier recommandé, je soupçonne un courrier de la fac. Ah. Un courrier de la fac comme quoi tu es viré. Que je regarde là parce que c'est assez serré là, on a que j'ai que 5 points d'avance limite, je peux perdre ma 17, je peux repasser 17e, mais difficilement 18 et 19e quand même. Bon, ça devrait aller. Pourquoi ils peuvent te virer comme ça la fac? Je dis ça pour déconner, mais pourquoi ils t'enverraient une lettre recommandée sinon? T'as trop d'absence, y a quelque chose? Ils t'ont vu streamer, ils veulent t'embaucher. Beaucoup de Shadow 2, ce qui me pète les couilles d'ailleurs, parce que pourrait pas me donner du radiant là un petit coup,
La radio, ça te met tellement bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce mec? Pourquoi le son il baisse d'un seul coup, mais énormément comme ça là. On s'est pris la tête, le mec m'a porté plainte en racontant les bobards. Ah ok, bah ouais, je comprends. Je comprends. N'importe quoi, le mec qui porte plainte comme ça là. Je sais pas s'il se rend compte de la gravité de la chose. Ah, pas encore un Shadow 3, mais c'est pas mal ça. On va peut-être pas faire le gros donjon. Voilà, je vais revenir en club. Ah bah y a plus personne, vous partez sans me dire au revoir en plus. Eh bah dis donc, vive la politesse sur internet, hein. Il y a Monsieur Nem qui est là. Il y a Ayano 974, bienvenue à toi. N'hésite pas à discuter ou à follow, ça fait toujours plaisir. Hop. Les quoi, ils doivent bien être descendus. Oh, ça va, c'est pas si terrible que ça, ça va. Donc là, en gros, 1, 2, 3, j'en ai 1, 1, 2, 3, j'ai 2 quads. Je le fais maintenant, j'ai 2 quads. Je vais attendre encore un peu. On va attendre le challenge. C'est super chargé. On va aller mettre les ressources dans mon autre club. Eh ben dis donc, faut dormir la nuit, hein. Merde, ça je les garde sur moi. Et j'en ai des ressources quand même, hein. Je pourrais me faire de la thune avec tout ça, hein. Bon, les champignons, j'en ai 6000. Bon. Ok, monsieur Champy, je sais que tu es là, mais je sais que tu es là, voilà. On va faire une petite pub vite fait. Encore Néon Ninja, ça va faire 3 heures que c'est Néon Ninja et 3 heures que c'est Néon City. Je vous promets. C'est comme ça quoi, c'est. Waouh. Ouais, on peut plus là, faut arrêter les bêtises. Là les mecs du Comtesse qui regardent des Boom Rangers vont faire. Ouais, y'a plus l'organe, il est 74e, bouh, il a perdu ses boîtes. Eh ben non, je reviens tout à l'heure. Voilà. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai encore ce dragon là, hein. On va profiter de mettre le nouveau. On va réussir, ça, on va pas se faire chier.
On va pas se faire chier à aller sur une difficulté plus haute. Là, je sais que je peux plus ou moins gérer solo si jamais je suis solo. Il y a un tout petit biome là-bas, on va peut-être pas y aller. Il y a un mec qui a décidé d'aller, d'accord. Donc là, il y a un énorme biome de machin. Ouais, c'est salut, re-Ender, ça va faire trois fois que tu dis salut. Je sais pas ce qui t'arrive, mais salut. Comment vas-tu? Guard style, hein, ça va réveiller un petit coup là. Bon, je me demande qu'est-ce que ça va être le contest de cette semaine. Donc cette semaine, c'était les donjons effectués. Donc ça, on n'est pas trop on n'est pas trop loin, on est 18ème, donc voilà, je suis dans les 250 premiers. C'est pas mal. On verra bien ce qu'on va avoir dans ces boîtes là. Et merci, merci Ender, merci. Et là, il manquerait plus que d'ici peu j'achète des trophées au fond de 1 que je me le rechoppe. Bah, je récupère la thune, ceci dit, mais. Allez, sérieux, il est dans le. Il était dans le décor, ce petit cachotier. Je veux sortir! Sinon, qu'est-ce que vous racontez de beau, les gens? Hein? Arrivé un peu tard, je sais pas, j'ai un doute là. Non, c'est bon, j'ai pas envie de rentrer parce que j'étais quasi sûr que ça aurait pas servi à grand chose. Oui, bien sûr, allez, vas-y. On a des loots, on a Shadow. Merde, je vais le rater si je continue comme ça. Parce que les mecs, ils vont le tuer en deux spi. Voilà. C'était moins une, c'était moins une. T'es au boulot là, Ender? Je l'ai dit peut-être un peu vite, mais bon, tant pis. Là, c'est un 3 étoiles. Cool. Rentrer, je peux pas. Je peux pas prendre ce portail, non? Le jeu ne voulait pas que je prenne le portail. Ah, ok. Ah, bah, écoute, bon courage pour ton taf. Hein, et on pense à toi et on te fait des bisous partout. Voilà, voilà. On t'imagine tout nu en train de danser sur une pole dance, tout, tout, voilà, voilà.
Mon café il est déjà gelé. Il va finir par. Il faudra que je mette un bot qui me répète la phrase bois ton café toutes les 5 minutes dans le chat. Comme ça je lis et. Et ouais Ender. Et encore c'est rien ça. T'as rien vu. Tu t'ajoutes les petits portes jartel et tout. Tu vois. C'est encore plus glauque là du coup. Les mecs ils vont gueuler parce que je fais les donjons, tu vas voir. Ils font what the fuck l'organe, what the fuck. Les mecs qui se plaignent. No you force leash lol. Faire celui-là d'abord. Le mec il est. J'y vais trop vite avec ce perso parce qu'il attaque super vite et quand tu mets ta popo, bah elle tombe et tu fais des dégâts monstrueux. Et donc du coup bah. Ça leur plaît pas, tu fais trop vite. Ah là là, j'arrive pas à suivre. Oh merde. Putain, j'ai que deux boîtes et faut que je me chope une monture quoi. Mais je peux même pas te dire de la faire en giveaway, vous êtes que deux. Et encore, ça devrait pas ça intéresse peut-être personne du coup aussi. Bon, ça veut dire que j'ai de la chance dans les boîtes, ou pas. Ouais. Bah là je suis 25. Je suis 22. 25. Là il me faudrait une gemme cette semaine. Non pro raid. Gemme jaune. Parce que là. Donc dans le contest. On va vérifier toujours si on est bon. Dans le Gunslinger, ça m'étonnerait que je perde plus de 900 places. Là, ça m'étonnerait que je perde plus de 1900 places à peu près. 1800, pardon. Et là, je suis 16e. Donc, limite, je pourrais encore perdre une place. Parce que le mec, il est 521. Le mec, il a niqué le mec qui est en dessous de moi. Chaud.
Ça se joue pas grand chose, nous. Hein. Mais pas de toute façon, à partir de la semaine. À partir de là, après, je vais aller chercher mes Shaper Star et tout. Les mecs, je vais reprendre 2-3 places et vivre. Donc, du coup, il me faudra 15 Shaper Star. Donc. Ouais. Donc, je vais voir si je vais avoir assez. Sinon, bah, ça serait, je ferai mon full étoile la semaine prochaine. Je vais regarder le prix des costumes depuis le temps que je souhaite un costume, mais malheureusement les gommes rendures ne sont pas très avantageux au niveau des costumes. Donc on va regarder directement dans la boutique, après on cherchera dans le market. Donc il en a pas tellement. Hein. Il en a pas tellement. Voilà, ça commence au Dark Boom Ranger. Franchement, il n'a pas grand chose. Enfin, il n'est pas très, très très beau, quoi. Alors que pour le Shadowhunter, mais t'en as tellement. Le Shadow Shroud, il est pas mal pour le Shadowhunter. Et est-ce que si tu mets costume. Tu mets boom. Que les costumes du boom ranger. Non, même pas, tu vois. Donc. Ça, c'est nul aussi, ça. Tu vois, c'est. Limite le comic hero. Limite. C'est le seul qui peut être intéressant. C'est le seul qui m'intéresse. Waouh, il coûte cher! Alors, 105 000 pour un costume qui me plaît pas plus que ça, donc je sais pas. Pas trop envie là. Pas trop envie. Bon, par contre, regardons au niveau des montures. Qu'est-ce qui nous manque? Le chiotte. Mais je sais pas comment le crafter. Il va falloir que je regarde sur internet. Et je vais essayer de me le crafter un de ces quatre. Le F4, bah, c'est dans les trophées au fondeur aussi, donc ce serait dommage que je me l'achète et finalement je l'ai par la suite. Ça, c'est la monture de Thanksgiving. Il y a des chances qu'il la remette cette année. Donc. Ouais. Il n'y a pas toutes les montures là. Hein. Elles y sont pas toutes, hein. Il m'en manque plus que ça. Il suffit qu'on regarde ensemble. Dans les rares, bah, il me manque déjà le polar, il me manque la sinus. Une toundra, on l'a vu le toundra. Il me manque les trônes. Les trônes, à ce qui paraît, ils sont chers. J'ai marqué trône. Ah oui! Les trônes, ils sont chers. Cent mille pour une monture, ça fait un peu cher quand même. Mais bon, si tu veux tout compléter, t'as pas trop le choix, quoi. Après, t'as un Kemi off. Donc c'est pas cela, c'est pas celui-là. Pareil, 100 000. Ah là là, mais les mecs ils se mettent tellement bien, ils gardent des montures et. Il m'en manque combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors on va dire 11 fois 50 plus 100. Donc en gros, avec toutes ces montures qui me manquent, il me manque 6 niveaux. Ça me demanderait 6 niveaux ennemis de mastery. Ce qui est pas mal. Après, au niveau du store, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en manque 7. Bon, 7 x 50, 350 plus 650. J'aurais déjà 10 niveaux avec tous ces montures-là. Après, t'as tout celle du battle machin là.
peux les acheter ces trucs-là ou pas? Je pense pas, hein. Non, tu peux pas les acheter. Ah là 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 là. Là. Bah après t'as celle du badge mais ne donne rien, les crafted bah il y a toujours le chiotte. Franchement c'est là où il m'en manque pas mal. Hein. Bah j'ai toujours pas acheté ces deux montures en lunar là. Je sais pas à quoi elles ressemblent de toute façon. La mastery pignata j'ai toujours pas eu acheté ni eu d'ailleurs. Parce que c'est dans les pignatas et les pignatas pour le moment je garde. Il me manque Illuri et Ganda. Par contre, je vais choper Ganda, c'est 250 mastery quand même, pim. Donc il me manque un Schmip, je sais pas où on le chope. Les centaures sont tous faits. En fin de si, je les ai tous. C'est génial. Bah, il suffit d'attendre les saisons et je pense que je pourrais me les rechoper. Et dans les probos, c'est dans les probos, voilà. Donc le Skulling, par contre, je vais regarder. Est-ce qu'on peut l'avoir, le Skulling? Skulling. Il n'y en a carrément pas. Okay. Bon, il m'en manque pas mal, la monture. Après, il me manque pas mal de skins d'armes et tout, donc... je sais pas si on peut voir son mastery global ou pas. Ah, j'ai déjà fait plus de la moitié, quand même. Je suis à 3700... 14 sur 5192 sur les objets collectés. Ça va. Il me manque des Mag Rider aussi. Mag Rider, ça donne pas mal aussi, il me semble. Allez, on va aller repartir pexer un petit peu. Enfin, pexer. Looter, bon bah voilà. Bon, c'est un biome pour moi tout seul, c'est cool. Donc, on regarde de nouveau le contest. Je suis de nouveau 16ème. Ça se joue à 1 point. Donc, là, je vais avoir des Dark Chaos Wall. Je sais pas ce que t'as dedans. Des Dark Pegasus, c'est very. C'est le loot le plus rare des. A tous les coups, tu verras, de toute façon, j'aurai de la merde hein, dans ces boîtes-là. Et dans les light. Donc, c'est où ça, d'ailleurs? C'est des mounts. Contest. Donc, là... Bah non, c'est pas ça. Non, c'est seulement des ailes, en fait. Donc oui, The Dark Pegasus. Ah, c'est celle-ci. Et ça doit être les light et les dark. Ça doit être ça en fait. Et il y en a tellement aussi des ailes que j'ai pas là. J'aurais dû m'y mettre sérieusement. Enfin, j'en ai tellement que j'ai pas. Allez hop, on va. On va aller continuer de farmer un petit peu. Voilà. J'aime bien farmer dans l'air et dans le médiéval. Allez, on se chauffe. Merde, je suis tombé. On se chauffe petit à petit, voilà. Hop hop. T'en as qu'ils ont pas mal de vie des mobs hein, quand même. Bienvenue sur le stream pour les nouveaux, n'hésitez pas à discuter, n'hésitez pas à follow, c'est gratuit, ça fait plaisir. Posez des questions, n'hésitez pas, je répondrai si je peux vous répondre bien sûr. Je suis pas un dictionnaire non plus, ni un wiki, mais si je peux vous être utile, je le ferai.
Ah, il y a deux shadows, bah deux shadows hein, par contre. Putain, il est en berserker, il a beaucoup plus de vie. Il a, c'est chiant. Bon, à ce niveau-là, il faut pas avoir peur d'utiliser des popos. Il y a pas mal de. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, mec. Je sais pas pourquoi tu m'envoies ça, mais j'ai pas du tout envie de faire du U4. Shadow, ça va le choper. Je crois que c'est un château de 3. Hein. Ah bon, on a un deuxième Shadow 3, 2 étoiles. Ça coûtera encore moins cher de le monter, du coup il sera encore plus rentable. D'ailleurs, il est mieux de casser des Shadow 3 qui n'ont pas d'étoiles. Et après transformer les Shadow 3 avec des étoiles. La dernière fois, j'ai chopé directement 4 étoiles, il a fallu juste que j'ajoute une étoile et puis après j'ai transformé. Donc du coup, on gagne déjà un peu plus au niveau de flux. J'avais plus dans le nez, mais je vais éternuer, c'est pour bientôt. Oh merde, alors! C'est quoi ta classe? Je suis Boomranger, mon ami. Merci pour le follow, Arcanaze. Je sais pas si je prononce bien, mais en même temps j'ai le nez qui gratte, donc du coup ça c'est chiant là. Mais qu'est-ce que j'ai? Laisse-moi tranquille. Je vais pas aller dans mon nez pour je vais pas vous affligez ça quoi. C'est, il y a un truc là qui me donne envie d'éternuer, je sais pas, c'est assez chelou d'ailleurs. Ouais, donc je suis Boomranger et à l'épée de préférence. À l'arc c'est viable, mais c'est beaucoup mieux je trouve à l'épée. Vous allez dire, il n'y a pas de donjon là. C'est un putain de biome, mais les donjons ils sont pas là quoi. Non mais dis, c'est quoi cette génération de map là? J'espère que je vais être récompensé, que je vais avoir un penta ou un radiant sur ce donjon. Ouais. Allez, donne-moi un radiant toi. Allez, donne. Oui, bien sûr. C'est plus des arbres ici, c'est des arbres millénaires ici. Ils sont gigantesques. Hop. Ah, ça va là, apparemment les donjons sont de ce côté-là apparemment. J'en ai vu trois là derrière. Ah bah. C'est du loot shadow, mais bon. On va pas se plaindre, c'est du shadow. Ça reste quand même du shadow. On va pas se plaindre. Si on commence à se plaindre alors qu'on a du shadow, c'est pas ce qu'il te faut, hein. Faut pas avoir du stellar et du radiant tous les jours non plus. Ça serait bien, hein, mais bon.
Déjà, ça tuerait l'économie du serveur, je pense. Parce que si moi je loot beaucoup, bah tout le monde loot beaucoup. On va essayer de le tuer sans reprendre de popo parce que. On va essayer d'en faire une tout de suite sur le. Il est sérieux lui? Je suis que level 8 et c'est que plus tard on gagnera une récompense des points qu'il faut acheter. J'ai pas compris. Je suis juste level 8 et que plus tard on gagnera en récompense des points qu'il faut. J'ai pas tout compris là. De quel point tu parles? Je vais finir par l'ignorer ce mec. Ça lui fera les pieds. Parce qu'en plus ça ne sert à rien ce qu'il fait. C'est ce que je refuse et je refuserai en permanence. Donc ça ne sert à rien ce que tu fais. Juste à casser les couilles de quelqu'un et toi tu vas perdre ton temps. Alors tu préfères autre chose. Si tu n'arrives pas à faire une ST, va farmer. Va te faire de l'argent. Et avec cet argent, achète-toi un stuff pour pouvoir faire cette putain de ST. Et arrêtez de solliciter les vrais joueurs, quoi. Ils ont pas que ça à faire de vous faire les donjons, quoi. En plus, bon, en permanence, quand je jette les gens, ils lootent des putains de trucs dans les coffres. Alors du coup, ça me saoule. Moi, je les fais plus. Et les hards, je les fais payer. Comme ça, ça m'évite d'être... surchargé de demande. Le mec il sait que je suis payé, ben il demande une fois et puis après il demande plus en général. Hop hop hop. Ah merde, je suis pas tout seul sur le biome là. On surveille le contest, on sait jamais. Voilà, j'avais dit que j'allais perdre ma place et je l'ai perdu. Et je l'ai pas perdu par la bonne personne. Donc il faut que je regarde de très très près. Les mecs ils se sont réveillés à 5h du mat pour faire ça quoi, parce que chez eux il est 5h quoi. Ah non il est 4h là à peu près. Je dis pas de bêtises. Vu qu'il est à 13h, il est 7h. Non. Pendant que je dis pas de bêtises. À 16h il est 7h. À 15h il est 6h. À 13h. Ouais ça va, en fait c'est le soir chez eux là et c'est en fin de soirée là. Ok ok. C'est moi qui disais de la merde en fait. Dans la boutique il y a deux types de monnaie. La monnaie qu'on utilise pour acheter des costumes etc. Et... tu la gagnes avec ton mastery mais t'en gagnes pas des masses le crédit. Par contre les qubits tu gagnes tous les jours les qubits. Donc gaspille pas ta thune comme ça.
Il est où? Ah, il fait joujou. Et ça t'amuse. Et ça t'amuse. Et sinon, si, si ça n'a pas encore été fait, je peux te donner un classe coin qui te permettra d'avoir une nouvelle classe si je te parraine, si t'as pas déjà été parrainé par un de tes amis ou autre. Et pour ça, il suffit que tu ailles sur le site et dans l'appli code et tu mets le code que je peux te procurer. Donc si ça t'intéresse, dis-le moi, je te donne ce code et tu auras la possibilité de débloquer une classe supplémentaire. Voilà. Si ça n'a pas déjà été fait. Hein, je parle... Enfin, cette monture-là, elle est lootable dans des coffres qui coûtent très cher en flux. Et elle n'est pas craftable et elle coûte 1 million, à peu près 1 100 000, 1 300 000 flux. Ou flux, si je préfère. La limite, je pourrais encore perdre une place, mais on en perd un peu plus de 5 là encore. Aujourd'hui, c'est pas possible. Les mecs, ils doivent être contents, ils doivent être à la 16e place et tout. Oh, je suis 16e et tout. Mais attends que les ST se rechargent et que voilà. Et que je récupère les récompenses de semaine et tout, tu vois. Je vais reprendre 3-4 places. Je conçois qu'au bout d'un moment, on sera tous à quasi au même niveau. Mais tant que je peux rester dans les 10 premiers, je vais le faire. Là. Ah ouais, elle est belle, ouais, elle est très très belle. C'est pour ça que j'ai acheté celle-là et pas le Fortress. Donc par contre, est-ce que ça t'intéresse que je te parraine et que tu puisses débloquer une classe où t'as déjà été parrainé par quelqu'un Arcanaise? Ok. Donc est-ce que ça t'intéresse? Tu rentres juste le code sur internet, tu vas dans appli code et t'appliques le code et du coup toi tu pourras avoir une classe supplémentaire. Je te donne ça, donc on va se mettre sur le haut du donjon, ça devrait aller assez rapidement. Alors, il faudrait que je me mette quelque part ce code, comme ça, ce sera plus simple. Bon, on va faire plus simple, je vais le mettre en bas du stream, je vais modifier le bas du stream pour que les gens ont le code de parrainage directement. C'est le... J'aurais juste à dire en dessous du stream, il y a le code. Comme ça, tu auras juste à faire un copier-coller. Et si je le fais pas là, je le ferai jamais en fait. Donc voilà. Donc je vais mettre mon code de parrainage en dessous. Donc pas appli code. J'appuie sur appli code. Je peux pas me rentrer mon propre code, hein, ça serait trop simple. Donc éditer les panneaux, voilà, j'en ajoute un, je l'appelle pas parrainage, voilà, lien de parrainage, hop, je colle. Attends, qu'est-ce que tu fais de bêtises? Voilà. Ou le code tout seul. Je vais le copier, le code tout seul, il est en plein milieu, mais...
code seul, deux petits points. Hop, hop. Submit. Hop. Hop. On regarde si c'est bon. Je fais off. Hop, ça recharge en dessous. Ça veut bien charger. Ah merde alors. Bon, je vais appuyer sur F5 pour recharger carrément toute la page. Ça, j'ai appris que... Hop, ça va. Ah bordel, j'ai mis une trace de doigt dessus. C'est pas pratique d'avoir des lunettes des fois. Donc voilà. Donc si tu recharges la page, Arkenez, en bas, t'as soit t'as le code seul que tu vas toi-même sur la page appli code machin, ou soit tu prends le lien direct qui t'amène sur la page direct, mais il faut que tu sois connecté sur le site pour que le lien s'auto-valide. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on reprend le jeu, on va faire les donjons. Hop, hop, hop. Elle est chiante cette petite abeille parce qu'elle circule à chaque fois. Alors que les bourdons ils viennent, ils De toute façon, un de ces quatre, je referai les petites icônes de mon stream. Parce que bon, je pense que je peux faire mieux. Trouver les boss intermédiaires maintenant. Voilà, voilà. Bon, ça c'est la porte. Ouais, merci, j'étais plus vite comme ça. Voilà, là il y a un boss intermédiaire. Enfin, un boss. Un cursed. Ah, c'est encore cette petite salope d'abeille là. Bah de rien, Arkenez. Hop, un petit Shadow 2. Toujours plaisir quand même. Et, deuxième boss intermédiaire, il est là. On l'a one shot. Encore un Shadow. Super Volt. Choper, hop, encore un Shadow 2. Tu vas arrêter de balancer des trucs, toi. Hein? Voilà. Putain, mais. Mal poli qu'il est, mec. Il balance des champignons mauvais dans la gueule. Hop. Ouais, tu me diras que, si tu l'as rentré, hein, pour que je sache. Et même avec ça, je peux limite suivre ta progression. Quoi. Parce qu'en plus, il faut savoir que tu peux plus être farainé une fois que t'es Mastery 20. Et vu que t'es que niveau 8, je pense pas que tu sois encore déjà Mastery 20. Donc c'est pour ça. Mais au-dessus du Mastery 20, tu ne peux plus le rentrer, ce code. Malheureusement.
En même temps, ça serait trop simple. Après, tu pourrais parrainer des mecs qui sont déjà 300. Enfin... Ça serait chelou, quoi. Et donc, on en loot des Shadow 2, hein. On en loot. Shadow 1, encore une fois. C'est mieux que rien. Ouais, on ne faut pas se plaindre, c'est mieux que rien. Tout en bas est marqué parrainage normalement. En dessous de la liste de des streamers que je cautionne. Enfin, tout en bas. Tu peux pas le louper, Arcanade. Sinon, je t'envoie directement le code. Hein. J'envoie le code, je peux l'envoie en... Merde, j'avais pas vu qu'il y avait encore une vague. Désolé. Allez, vous allez crever. Je te l'envoie en message privé. Ah, bon bah si c'est bon, pas besoin alors. Hop. Mais de rien, c'est gratuit, donc profitons-en. Allez, je vais pas te cacher, ça sert quand même à quelque chose pour moi, ça permet de débloquer un dragon. Mais il me faut beaucoup de personnes, il faut pas un seul parrainage. En même temps, c'est normal que si tu te fais parrainer, au bout d'un moment, tu as quelque chose en retour. Mais le souci, c'est que c'est pas mal, il me semble, selon les badges qu'on peut le voir. Je pense, voilà. Ah, c'est ici. Tu vois, j'en suis que à 4 sur 3. Il y en a 4 sur 5. Donc il en faut quand même 30, tu vois, pour avoir le gros dragon. Donc du coup, bah, je finirai un jour par l'avoir. Et il faut trouver bien sûr 30 nouvelles personnes à qui pouvoir parrainer quoi. Ah bah c'est cool, ça te fait plaisir de m'aider. Il est un peu vide le biome, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve un peu vide. On vole, on vole, on vole, on vole. Ah, un donjon. Hein. J'ai connu mieux en biome, hein, quand même. Ah bah ça me ferait plaisir que tu fasses ça pour moi. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je recharge avant qu'on tombe à court de popo. N'hésitez pas à mettre de la musique aussi, hein. Le son de Wicklest est activé. What item spécial? Quel item spécial? Quel item spécial? De quoi tu parles, Fablous7? De quoi tu parles? J'ai remis le livre des flux,
Je sais pas si c'est le plus rentable. J'avais mis les yeux parce que bon, vu que je transforme des Shadow 3 en Shadow 4 pour les faire des quads, ça permettait de rien dépenser en fait. Ou quasi rien. Juste les flux pour de la transformation quoi. Et donc du coup c'était beaucoup plus rentable. Oh non, t'es sérieux? Qu'est-ce qu'il foutait là-haut, lui? Bah normalement, t'as eu si tu l'as mis alors que t'es pas encore Mastery 20, dans ton inventaire, t'as reçu un petit objet gris avec une épée dessus qui te permet de si tu double-cliques dessus, de débloquer une nouvelle classe que tu choisis. Voilà. Je vais aller vérifier d'ailleurs si tu l'as ajouté. Tu m'as dit que oui, mais je te crois, mais allons vérifier tout de même. Alors, Rose, voici là. Alors, account, on se connecte. Je regarde mes parrainages. Ah, il n'y a pas ton nom. Je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a ajouté avec très. Dans ton profil du jeu, tu n'as pas ajouté nom ni prénom. Merci pour le follow, je ne sais pas qui c'est pour le moment. On va voir ça tout de suite. Fabloose7, merci pour le follow. Thank you. Oh, j'ai failli passer. Il a tous les trucs les bien dégueulasse pour bien faire mal. La glace, le coup de poing. On a failli passer, hein. Faut faire attention. Le pseudo, c'est Metal War. Bah, je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Apparemment, c'est pas... Ça, c'est ton nom de jeu, mais je te parle ton nom de compte que tu as mis nom, prénom sur le compte du site. Il n'y a pas. Et je vois effectivement que quelqu'un m'a ajouté. Après c'est pas très grave. Bah après si tu peux le donner à tes amis, c'est encore mieux quoi, du coup. Bon bien sûr après c'est bien beau de parrainer, mais il faut que la personne passe Mastery 20 pour valider ça. Donc après je peux parrainer 500 personnes et ces 500 personnes sont que niveau 1 et puis voilà, ça marchera pas donc. Pas que je mélange tout là parce qu'en bas c'est le Shadow 3 et là c'est le Shadow 4, Shadow normal et Shadow 2, le truc que je mets direct dans mon coffre quoi, que je cherche pas à comprendre à ce que j'en fais. Je peux te demander combien t'as d'amis, comme ça je sais si je vais en avoir beaucoup d'un coup.
Ah, ça commence à faire cric cric de nouveau dans mon oreille, c'est nul. Bon, finissez quelques donjons et on retourne au club en entendant le challenge, parce que le challenge permet d'avoir un dragon. Et vu qu'il va bientôt avoir des nouveaux dragons et que j'ai toujours pas les primordiaux, faut mieux avoir des dragon coins d'avance. T'es encore là, monsieur Champy, ou tu es parti? Parce que je te trouve bien silencieux comparé à d'habitude. Et on fait ce dernier donjon là-bas et on retourne au club. Et si vous voulez faire partie du club, n'hésitez pas à demander. Salut PlayFun022, comment vas-tu? J'essaie de la frapper celle-là, mais il faudrait qu'elle vienne là. Ah ok, tu m'as abandonné. Ok, tu m'as abandonné. Ok. Je comprends mieux. Tu me trompes avec un stream. Ouh là là. Salut Neos Twitch, je veux bien faire partie. D'accord, bon bah écoutez, ajoutez-moi en jeu, mettez .exclamation.ign ou IG sur Twitch et vous aurez mon pseudo et puis je vous accepterai et puis ensuite je vous admettrai dans le club. Voilà, bon, on revient au club justement. Comment ça va Neos Twitch? Comment vous allez d'ailleurs, tous les petits nouveaux là? Petits nouveaux de Twitch, comment vous allez? C'est bien, c'est le même pseudo que sur Twitch, c'est cool. Donc c'est Play Fun 022. Ok. Non? Je me suis trompé, qu'est-ce qui change? Il faut mettre les majuscules, t'es sérieux? Play Fun 022. Ah, tu t'es full club, je pense, Play Fun, parce que je ne peux pas. Tu me conseilles quoi en sachant que j'ai Lunar Lancer et Ice Age? Bon, t'as déjà choisi deux bonnes classes, mais je conseillerais moi Boom Ranger, étant donné que c'est une classe que tu peux facilement miner sans acheter de bombes. Puisque tu as la bombe directement qui te permet de miner. Donc après c'est une classe aussi bien à distance qu'à l'épée. Donc après c'est comme tu veux toi. Mais Shadowhunter aussi c'est pas mal. C'est l'un des meilleurs DPS maintenant du jeu. Donc voilà. Donc à toi de voir. Donc on va se faire quelques quads. Donc, alors, 2 pour 1, 2 pour 1, et 2 pour 1. Non, je dis 2 pour 1, voilà. Donc du coup, je peux faire mes 3 quads, hop. On les met en quad, hop, hop, hop. Et on les casse, voilà. Ensuite on regarde à combien ça coûte. Moi je peux pas mettre en monture, on risque pas de trouver en monture. Ouais, donc je vais récupérer celui-là qui est pas parti et on va faire ça. Ils partiront quand ils partiront. Ah, je vais récupérer celui-là aussi du coup. Voilà. Donc voilà, 7199. Ça repartira, je pense, au milieu d'après-midi. C'est à peu près vers le milieu d'après-midi que les jeux remontent à ce prix-là. Donc 7199.
7000. Attendez, je regarde le chat après celle-ci. Voilà, hop hop. Voilà. Pour quitter un club, tu vas là, tu vas dans le club en lui-même, sur le, tu cliques sur la petite flèche verte, tu fais leave the club, leave club, le gros bouton ici. Bah moi ça va tranquille. Ce matin je me suis acheté ce dragon qui coûte assez cher, il coûte 1 300 000 à peu près. J'ai lui 1 100 000, c'est une petite économie de 200 000. C'est l'un des dragons les plus chers. Donc ça c'est fait, mes quads sont mis. Bon, on va attendre sagement maintenant le... Bah merde hein, fait chier. Je suis fatigué comme si j'avais pas dormi depuis une semaine quoi. Pas possible. Donc ça on garde, on l'ouvrira après, ça aussi je vous ouvrirai après. Ou demain, j'ouvrirai peut-être demain après la mage. Ouais, j'ouvrirai mes emporettes après demain, après la mage. Je sais pas pourquoi. J'ai envie, voilà. Alors, play fun. Qu'est-ce que j'écris moi? Play fun 0022. Voilà, là je peux t'inviter. Donc s'il y a d'autres personnes qui souhaitent venir dans le club, n'hésitez pas. Hein. Bon, à cette heure-ci, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Les gens sont plutôt de l'après-midi dans mon club. Le matin, bah il y a moi et il y a quelques personnes des fois le matin, mais. Mais voilà. Donc voilà, le challenge commence dans 2 minutes, en espérant que c'est plus Néon City, parce que là ça va faire 4 heures, je crois. Sinon, tu peux ajouter Metal War. Mais Metal War. Apparemment, t'es pas en ligne. Hein. Metal War. T'es pas en ligne, Arkenel. Bonjour, monsieur Play. Je sais pas si j'ai cette moto, moi. J'en ai des motos, mais celle-ci, je sais pas si je l'ai. Si je pense, c'est celle-ci. Voilà. Le Gangamoto. Sinon j'ai celle d'à côté. Bon, il y en a quand même une et qu'elle est, elle est badass quand même. C'est je crois dans Store. Non c'est pas étonnant. C'est pas dans Store, c'est dans Rare. Et c'est celle-ci. C'est une sacrée moto quand même. Mais il y en a pas mal. Après on a la moto moto god en store. Je crois que c'est celle-ci. Ouais, il y a un god au bout, tu vois. C'est une moto à cornes, tu vois. C'est... Ça c'est mon second, c'est IDX. IDX. Ah ouais. Là ça marche mieux. Allez, on se remet le dragon et on va faire le challenge. Allez. Boom Ranger. Bon bah écoutez, c'est encore en Neon City cette fois. Hein. Ça, franchement, on a eu une matinée, mais que en Neon City à la limite. Mais bon, vu que c'est Boom Ranger, bah je vais en U9 cette fois. Voilà. Parce que je gère le U9. Sois la bienvenue dans le club. Enfin, soyez la bienvenue dans le club. Merde, je suis tombé devant un arbre. Ah, t'es pas dans le club encore. Merde. Il dit vite.
Bah bienvenue, bienvenue. J'ai même pas fait attention que t'avais pas accepté en fait. Bon, c'est un petit biome par contre, hein. Donc n'hésitez pas à poser des questions, je répondrai volontiers. Bah, on n'abusez pas non plus, hein, des questions bien sûr concernant le jeu. De préférence en stream, c'est mieux. Bah, je vois qu'il y a du monde juste après, je ferai un petit giveaway, voilà, parce que je viens de voir que j'avais encore ma monture dans mon inventaire. Donc je ferai un giveaway de cette monture, voilà. Donc juste après ce challenge, je ferai un giveaway de la monture. Donc bon, tant pis pour ceux que ça intéresse pas fort plus que ça. Où sont les boss intermédiaires? Bon ben, on n'a pas fait les boss intermédiaires, mais bon, apparemment c'est pas très grave. Il y en a peut-être un là, non? Mais... Ouais, bon, je vais pas chercher partout, les mecs sont déjà partis là ailleurs, donc faut mieux les suivre, je pense. Hein. Déjà, je pense que là, je vais louper le donjon du coup, voilà, parce qu'ils ont plus un donjon assez rapide à faire. Donc non, j'ai failli, mais non. Ouais, j'ai vraiment failli. Hein. J'ai vraiment failli le... Ouais, il y avait déjà quelqu'un ici, d'accord. Je sais pas comment il a fait le mec, mais il les tue à travers les murs. C'est pas possible. Donc là, normalement, il y a des boss intermédiaires. Mais il faut les trouver. Pour le moment, on les voit quand on se met sur les bulles. Ah, il y en a peut-être un là. Voilà, il y en a un là. Nickel. Ça m'en fait un de plus. Bon, voilà, ça a été fait. Donc, on va aller par là-bas, je crois. Si je dis pas de bêtises. Bon, les mecs ils vont par là-haut. Voilà. Je vais attendre dehors. Donc ça vous intéresse à giveaway juste après ou pas du tout? Dommage qu'il n'y ait pas plus de gens, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, hein. Après je peux. Moon giveaway, give away 5 minutes. On va dire 5 minutes. Les mecs ils vont s'attendre à une grosse monture alors que ce sera en fait une petite araignée. Mais elle est pas mal comme monture. Quand on n'a pas de monture, c'est bien de l'avoir. Bon bah on fait ça juste après. Hein. Je vais remettre un grand message. Qui va nous péter.
Enfoiré! Il m'en restait que un! Regarde, il en restait que un! Pourquoi il a fait ça? En plus, lui aussi, il lui en manque un, parce qu'il a fait tout le donjon comme nous. Il lui en manque? Boulet, va! Ah, ça, j'aime pas quand ils font ça. Et en plus, à 2 secondes près, je l'avais. Bon, bah, il y a le biome là, il faut qu'on cherche un nouveau biome. Super, guignol, va. Putain. Il a gagné quoi à faire ça? Parce que lui non plus, il n'a pas fini. Ah, mais je suis en 8. Mais bon, vu qu'il m'en manque qu'un à la limite. En U4, par contre, il va falloir que j'en fasse 3. Alors que j'en fasse 3 en 4. Chaud. Oh putain, j'avais oublié que je vais il existait des chats de fragments. Ouh là là. Ça existe, ça va? Ah bah dis donc. J'ai ramassé un truc ou pas? Oh, mais je ramasse des coffres. On fout un peu des coffres, moi. Allez, je finis le challenge là, et puis après, giveaway. Je me mets à ce niveau-là, hop. Il voulait pas tirer. Il voulait plus tirer, mon dragon. Oh putain, mais. Eh, je suis pas doué, hein. Aujourd'hui, là, je suis pas doué pour le dragon. Voilà, bah, je vais finir les. Finir ici. Pour pas dire de laisser un donjon inachevé, quand même. T'es sérieux de l'avoir fait tomber? Ah bah GG. Il est tombé donc il est pas prêt de remonter. Hein. Ah GG. Même le pire des boulets que j'ai déjà vu sur jeu, elle n'a jamais fait un truc pareil dans ce donjon. Je sais pas comment tu étais de démerder mais. Bon allez. Merci pour le TP. Alors, on va mettre ça en place. Alors, hop. Donc ça je vais enlever, donc hop. On va prendre, hop, on va faire capture de fenêtre. Pourquoi ça marche pas? J'ai pris Google. Ça veut pas.
C'est rigolo, ça. Bon, ça veut pas. On peut pas prendre de fenêtre. On peut pas prendre de fenêtre, donc on va faire plus simple. Ajouter capture d'écran. Voilà. Et là, on va aller directement dans Snake Boss. Voilà. Et on le met derrière. Derrière le. Voilà. Donc, bien sûr, il faut avoir follow la chaîne et marquer le bon keyword. Donc, le keyword est fille. Fille. Voilà. Donc on attend un petit peu. Bah s'il n'y a qu'une personne qui joue, on va pas aller loin. Moi bah, s'il n'y a qu'une personne qui joue, bon je suis désolé mais je fais pas le vidéo et quoi. Voilà, on va attendre 5 minutes. Bon, une deuxième personne. Bon, ça commence à. Vas-y, moi aussi je peux jouer ou pas? Ouais! Non, ça marche pas. Ça aurait été. Bon bah que deux personnes, ça va pas être très compliqué pour trouver le gagnant là-dedans. Allez, le keyword. Allez, le keyword. Keyword. Avoir follow pour gagner si vous n'avez pas follow, pas de giveaway, no follow. Allez, encore 3 minutes. Yo. Je vais le dire aussi au club. Non, c'est l'heure d'une monture encore. Les méga flux, je les ferai quand il y aura vraiment un peu plus de monde parce que. Ah, il y a quelqu'un devant moi. Bonjour. Je sais que vous voyez le fond de l'écran et mon jeu, mais c'est normal, hein. Allez, encore 2 minutes.
Par même occasion, je regarde les contests. Est-ce que j'ai encore perdu une place? Non, je suis 17ème. Pourtant, je pourrais être 18ème sans problème. Hein. Là, si je commence à être 20ème, je vais commencer à paniquer quand même, je pense. Bon, les donjons, je suis 17ème. C'est largement suffisant. Hein. Ça sert à rien de persister. Hein. Il faut être 250ème, je suis 17ème. J'ai de la marge. Après, fait Trickster, bon, j'ai perdu 40 places, bon, on s'en fout. Gunslinger, ben, voilà. Limite, la fait Trickster, peut-être que si je l'équipe, ils sont où mes équipements magiques? Je cherche mes équipements magiques, où sont-ils? Peut-être que si je mets des équipements sur la fée Trickster, bon, c'est peut-être pas ça qui va me faire beaucoup monter, mais... On va attendre un petit peu. Ça devrait être bon. 635. J'ai dû dégoûter des mecs. Voilà. Bon, après, il faut que dans les deux heures qui suivent, il n'y a pas de classe magique, parce qu'après, si j'oublie, bon, voilà, quoi. Donc là, logiquement, on a un Knife Life. On a la totalité de ça. Là, j'ai pas le courage, le PVP, je m'en suis foutu. Donc là, logiquement, on a les 4 premiers, donc dont une clé, donc ça, c'est cool. Là, on a le Knife Life. Hop, hop, hop. Et tac. Donc une emporaide, deux emporaides, trois emporaides, quatre emporaides, cinq emporaides. Donc c'est pas mal, cinq emporaides. Après j'en ai deux déjà dans mon coffre, plus une de mon livre. Donc 5 plus 2, 6, 7, 8, 8 emporaides que je n'ouvrirai que demain après la mage. Voilà. Donc je récupère mes claims, je ouvre mes trucs. C'était de la merde. Enfin, c'est mieux que rien quand même. Donc voilà, allez, parti pour le giveaway. Donc on va rouler dans 5 secondes. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Playfine 022, tu as gagné. GG à toi, Playfine 022. Tu viens de GG une monture. Donc je t'invite à venir à Nezumi 33, bonjour. Ah, tu viens juste de louper un giveaway, malheureusement. Et donc voilà. Donc je t'invite à venir en bas dans le trade post. Voilà. Pour ta mon cul. Et encore GG à toi, Playfun 022. Une Playfun tout court. Bon, c'est quand tu veux, par contre, que tu appuies sur le machin. Ah, d'accord, t'étais pas encore au courant que c'était toi qui avais gagné. Ok, d'accord. Donc voilà, GG à toi. Je ne sais pas si tu l'avais déjà ou pas du tout. Je pense que oui, quand même. C'est une monture assez courante. Mais bon, ça te fait toujours un peu de flux, à la limite. Comment ça va, sinon, on est Nezumi 33? Comment vas-tu? On va ouvrir ça, on va casser tout ça. Bon allez, on va faire un opening de 173 boîtes rouges. Rouge. Jaune, pardon, je suis pas daltonien pourtant. Voilà, on va faire un opening. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Bien sûr, on vise comme d'habitude tout le temps que les Stella, même s'il y a pas mal de radiant et de shadow qui tombent. C'est que pour certains ça fait baver, mais à mon niveau c'est les stars qui m'importe. Voilà, pour le moment pas de stars encore, donc on casse tout ça. Et après cet opening je quitterai le live car c'est terminé.
Et je vous dirai à demain matin, même heure, donc 9h30, 11h30 environ. Oh, on a fini la barre avec une très belle gemme. Une très très belle gemme d'ailleurs. Ah oui, très très belle. Maximum yield. Bah, ça aurait été mieux avec du physical, je vous l'accorde. Mais maximum yield, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. C'est déjà mieux que heal régénération, par exemple. Ah, il faut dire ce qui est. Il faut dire ce qui est. Donc, c'est une très 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 bonne gemme que je vais garder de côté. Car en plus, si vous voulez, du fait qu'elle a ni magic damage ni physical damage, elle peut aller sur quasiment tous les personnages. Donc, elle est vraiment universelle. C'est nickel. Donc, on a une très belle gemme là. C'est pas mal. Merde, j'ai continué alors que j'avais fini. Allez, on recasse encore tout ça. Ça nous fait pas mal de gemmes d'os du coup. Même trop. Celui-là de l'air, c'est celui-là que j'ai le plus. Donc je vous invite vraiment à venir beaucoup plus tôt demain, hein, pour qu'on puisse partager plus de choses ensemble là. Puis n'hésitez pas à partager la chaîne Twitch et limite la chaîne YouTube où il y a les rediffusions. Ah bon, on a une gemme, une étoile. Donc là par contre c'est maximum heal aussi et en physical damage. Donc c'est pas mal du tout. On va voir après, on va essayer de la monter après, voir ce qu'elle pourrait donner en troisième stat. Donc encore une. Donc par contre là ça pue. Heal régénération. C'est la pire des stats, elle sert pas à grand chose, surtout quand on a comme moi 1 million de points de vie. Faudrait vraiment en avoir beaucoup de la régénération. Donc du coup on va la dez, voilà, on va la supprimer. Allez, plus que 38. Ça commence à devenir corsé, on ne va pas en avoir d'autres, je pense. Je pense pas qu'on va avoir d'autres stellars. Est-ce qu'on va en avoir d'autres? Non, 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 oui, non, oui, non, 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 non. Ah, c'est con! On aurait pu, hein, on a une radio, on aurait pu très bien avoir le stellar là à la fin. Bon bah voilà, c'était un opening de plus de 100 boîtes de Gem Dust. Donc du coup, bah, je me retrouve avec pas mal. Donc on avait dit qu'on allait faire un up de gemme pour voir ce qu'elle nous donnait celle-ci en troisième stat. Même si c'est qu'une seule gemme. Qu'une seule étoile, pardon. Donc on va la monter niveau 5. Ah. Allez. Heal régénération. Bah c'est la pire des stats qu'on a besoin. Donc bah, elle ne sert à rien du coup. Donc voilà. Que je me trompe pas avec l'autre, parce que celle-ci elle est assez universelle. Donc on va faire la même chose, on va voir ce qu'elle va gagner au niveau 5. Donc elle peut gagner des stats partout ou un double de stats. Donc si elle gagne un double de stats sur le maximum heal, bon c'est bien, mais celui-là qu'on vise vraiment, la stat qu'on vraiment, c'est le critical damage, critical hit. Merde, j'ai pas mis de protection, mais elle aurait pu péter les dons. Allez, 1, 2, 3. Critical damage. Elle a déjà au niveau 5, 70% de critical damage. C'est énorme. On continue. On va essayer de la monter niveau 10, voir ce qu'elle va choper. On peut la monter niveau 10 avec les 13, je le sais qu'on peut le faire, je le sais. Et niveau 8, 9. Attention, qu'est-ce qu'elle va choper? Allez, maximum heal. Donc c'est pas la meilleure stat qu'on aurait voulu doubler, mais c'est pas mal. 17 000 d'HP en plus d'un seul coup. Donc si en plus de ça on a du pourcentage, rien qu'au niveau 10, cette gemme elle est pétée. Elle est déjà pétée. Bon, le critical hit, c'est pas plus mal qu'elle a pas été doublée, parce que bon, effectivement c'est bien quand c'est doublé, mais on arrive facilement, si on en a sur toutes les gemmes, on arrive facilement à plus de 50%, 50% de critical hit. Donc faut vraiment essayer d'avoir des doublages de stats sur du critical damage le plus possible.
C'est vraiment ce qu'on recherche. Donc là, moi j'ai déjà deux gemmes, deux très bonnes gemmes. Donc je peux pas mettre sur ce personnage-là, c'est pas possible. Donc je vais la garder. Elle est très bien. Donc voilà, je vais virer celle-ci, puisqu'elle fait les mêmes stats. Et je mets celle-ci à la place. Voilà. Donc ce sera pour un personnage physique ultérieurement. Donc c'est pas mal. Bon, on a indiqué pas mal de flux, pas mal de gemmes d'os, mais bon, c'était pour une bonne cause, les amis. En même temps, là, il me semble que gemmes d'os de l'air. Ouais, j'en ai encore 9000 là. Je sais plus comment faire. Donc on va les mettre là-bas derrière. Je les vois plus. Voilà. Voilà. Donc voilà. Bon bah je vous dis à demain, les amis. Donc essayez de venir dès le commencement, ça serait bien. Ça serait bien. Donc demain, de toute façon, demain qu'est-ce qu'on fait? Demain c'est le jardinage. Donc je ne pense pas faire du jardinage. Je pense pas. Parce que j'ai plus besoin de steel feed. J'ai déjà crafté toutes les montures, tous les schmips, tous les comment dire, enfin toutes les montures qui pouvaient être craftées, elles ont été faites. Donc demain, on fera encore des donjons, on discutera ensemble. Donc essayez de venir dès le commencement demain, parce que c'est mieux, comme ça on passe plus de temps ensemble. Parce que là, je vois que les gens arrivent au moment où je pars. Moi, je stream le matin de 9h30 à 11h30 environ. Donc essayez de vraiment de venir le matin, si vous pouvez bien sûr. Donc à demain, et je vous dis une bonne journée, et comme d'habitude, peace. Et voilà, bande de petits zizi, tout mou, peace, et à demain.